C'était une sale affaire. C'était un samedi 13 janvier pour être précis. Un de ces jours où même un bon verre de jus n'arrivait pas à arranger les choses. On m'avait remis un paquet à livrer, le genre de service qu'on ne peut pas refuser. Il était hors de question de passer par les voies habituelles. Le colis était un peu trop sensible. Et puis, de toute façon, je n'ai jamais eu confiance dans les services postaux. Ma caisse était en rade. Je dus me résoudre à utiliser les transports en commun. Chose qui ne m'enchante guère. Mais bon, voyager dans la ville et voir le décor urbain, cela était mon quotidien. Bien entendu, il y avait une grève des trains. On ne peut débuter un week-end sans une bonne vieille grève. Ça donne toute sa saveur au week-end. Je dus me résoudre à une méthode alternative. Je me rendis donc chez l'un de mes contacts, un scientifique un peu borderline. Mais en cas de famine, on bouffe à tous les râteliers. Le type n'était pas facile à trouver. C'était une sorte de paranoïaque, un génie scientifique qui se tairait et qui fuyait comme la peste toute relation sociale. Je dus parcourir la ville de long en large à sa recherche, car lui seul détenait une invention qui pouvait m'aider. Une mission très longue et fastidieuse, pour laquelle il fallait bien que je reprenne des forces. Ah oui, c'est vrai. Je sais que t'es derrière. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? J'ai quelque chose à te demander. J'aurais besoin d'en essayer de avec ta machine à téléporter. Mais t'es pas capable de dire comme ça chez moi, bordel de merde. Je suis sûr qu'il y a le FBI qui t'a suivi, hein. Ils t'ont mis un mouchard et forcément ils t'ont suivi, hein. Non? Non. Bordel de merde, je suis sûr qu'ils m'ont suivi. Ils m'ont fiché la semaine dernière, il faudrait que je change de visage. Je suis mieux comme ça, non? Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que tu me parles de mon grippin comme ça en plein milieu du couloir? Ah oui, j'aurais besoin d'utiliser ton grippin. Ouais, c'est mieux. Parce que j'ai un petit tartine fragile à toaster. Ah bah y'a pas de problème, vas-y, tu vois, Mais oh putain de merde, mais c'est quoi ce truc? C'est un micro-ondes! Oui, c'est bien plus qu'un simple micro-ondes! Je l'ai upgradé. Ainsi comme ça, comme tu peux le voir, j'ai mis à l'intérieur, mais ça ne se voit pas, une carte SSD, un processeur AMD, un magnétoscope et bien sûr du plutonium! Mais ça, ça marche aussi avec des pâtes. D'accord. D'ailleurs, je vais te montrer! Regarde! Quoi, tu voulais pas le tester? Mais non, je l'ai envoyé à Brody. Mais aussi, tu me gueules dessus, moi ça m'énerve et ça me fait perdre tous mes repères. Mais... Il suffit juste d'appuyer sur le bouton, il fallait le demander plus tard.